Bon allez, on y est, impossible de reculer maintenant. Bon, comme l'indique les grands titres, nous nous retrouvons aujourd'hui sur World of Warcraft. Je vais créer mon premier perso sur un serveur officiel, premier vrai perso, puisque j'ai déjà fait un premier sur un compte d'essai il y a quelques temps, mais je crois pas que j'avais atteint la limite du level 20, et j'avais déjà joué il y a peut-être une dizaine d'années sur des serveurs privés, j'étais pour aller hyper loin, et à l'époque je crois qu'il y avait qu'une seule extension. Ça remonte quand même à vachement loin. Alors, au niveau du serveur, j'avais fait une vidéo où je demandais un petit peu s'il y a des abonnés qui jouaient, où est-ce qu'ils jouaient. Il y a eu plusieurs réponses, donc au final, il a fallu quand même choisir un petit peu au pif. Et j'ai pris Dalaran. On m'a dit que c'était pas mal. On verra bien si c'est vrai. Au niveau du choix du perso, le seul truc dont j'étais sûr avant de commencer, c'est la classe. J'ai envie de jouer voleur, puisque les petits essais de perso WoW que j'avais fait, ça remonte à loin, mais je crois que j'avais joué que guerrier paladin. Peut-être un petit peu chasseur, je sais plus, mais en tout cas, tout ce qui est mage, démoniste et tout ça, jamais testé. On verra peut-être ça sur un autre perso, en tout cas, pour cette série, j'ai envie de jouer voleur, sachant qu'il y a la spécialisation hors la loi, qui m'a l'air sympathique. Après, on verra, ça se trouve, c'est pas viable, mais je m'en fous, je ne jouerai pas PvP. Au niveau de la race du personnage, je vais faire un choix purement esthétique, sachant que certains, je les trouve moches, comme les morts-vivants. Ça me branche pas trop, ou les drainer. Il y en a d'autres que je garderai peut-être pour un perso secondaire, comme les gobelins ou les trolls, qui sont sympas, mais pour un premier, ça me branche moyennement. J'aurais pu jouer humain. Ça aurait été classique, on aurait fait un Fintavar, mais je trouve qu'ils ont des têtes un peu bizarres. Pour cette série, on va jouer une elfe de sang. Quand même plus sympa. Pourquoi elfe de sang et pas elfe de la nuit? Alors déjà, c'est pas une question de faction, parce que si j'avais pu choisir, j'aurais pris Alliance. C'est surtout esthétique, en fait. Au niveau des codes couleurs des elfes de la nuit, je suis pas trop fan des verts, violets et tout ça. Et je trouve que ils ont des oreilles de Dumbo. Donc du coup, on va jouer elfe de sang. Voleur, voleuse, j'ai dit. Et pour son apparence... sachant que les elfes de sang font quand même vachement la gueule. Enfin, presque flipper celle-là. Vas-y. Niveau coiffure. Pourquoi pas. Allez. Du coup, niveau du nom. Je vais t'appeler... Sauf que je crois que ça passera pas avec l'espace. Ouais. Et la majuscule non plus. Tant pis, on va dire que c'est un prénom. Et c'est parti pour le level 1, on va bien voir ce que ça donne. Les années passées ont vu des boules, beaucoup de boules. Les elfes de sang suissent des boules. Formidable. Aujourd'hui, Kael Thas et ses maîtres démoniaques transforment les culs de soleil en elfes fontaines. Ah ouais. Je mens, mais les elfes ont un sacré cul. Vous comptez parmi les rares elfes de sang survivants et devez combattre pour protéger Kel'Thalas et racheter l'âme de votre peuple. Je vais m'amuser au montage avec cette cinématique. Bon, je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de VOIP qui ferait chier tout le monde. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, pour cette série, j'ai installé 2-3 petites extensions et ça devrait se voir. Pour commencer votre éducation, bah il serait temps. Avant de diviner leur nom. Ok, donc virer des Wyrm de Manor. Bah vas-y. Alors, on voit la carte en appuyant sur M. Ouais. Ça, je pense que j'aurais compris, merci. Quand je gère ça. Ah ouais, ça va virer mes contrôles aussi, évidemment. Ok, ça devrait être réglé. Alors, on va éviter du Stremont. Je ne connais pas du tout les compétences des voleurs, comme je disais, j'ai jamais joué. On va aller voir ce que ça donne. Donc, pour l'instant, on a que dalle, hein, level 1. Ce n'est pas étonnant. Meurs. Ça va. Alors, j'installe un add-on pour... rendre la caméra un petit peu plus dynamique, j'espère que ce sera sympa à regarder par Gerbos. Kezako. Et un peu grand le bouquin. Je crois que Mika est passé par là. Je suis hors de port. Allez, greffe. Et bim. On loot des boules de Wyrm. Ok, bon. On va avoir assez d'écailles. Par contre, comment je vire ce truc-là? C'est pas que ça prend de la place, mais... Si, me tourner, c'est bon, j'ai tout fait, tu vas arrêter de me casser les noix? Non, visiblement. Ah, celui-là aussi qui arrête de clignoter, ce serait bien. Testerie, allez. Ah oui, parce que j'ai joué 2 fois Hearthstone, ok. Bah merci. Mouais. Bon, alors... Qu'est-ce que tu me donnes en échange de toutes ces merdes? Vous êtes venu à bout de votre première tâche. Bon, c'est pas comme si c'était difficile. Par contre, c'est quoi ça? Ça doit être un bug. Fais péter les pièces d'or. Ouais, vas-y. Grâce aux efforts, nous avons compris quelque chose. Vous avez cherché avant? Allez, va buter des lynx. Ne vous laissez pas surprendre. Par contre, c'est quoi cette merde? Je suis trop loin. Bon, je vais recharger l'interface, ça a l'air de régler le problème. Allez. Sinon, j'ai level 2, pas de compétences. Non, a priori, c'est level 3. Youhou, les lynx, ça va, les là. Allez,
Allez, l'Est-Pat, meurs. Plus rapide que Chiktika, l'Est-Pat. C'est quoi ce torrent arcanique radio silence tous les ennemis? Contre des lynx, ça va être un petit peu inutile. Par contre, des mages, pourquoi pas. Il n'y a pas un truc pour looter automatiquement quand on ouvre la fenêtre? Fouille auto, voilà, merci. Je dirais pas non, une petite attaque à distance. Hey, un petit dernier. Et ben voilà. Allez, on se casse. C'est bon, j'ai éliminé tes nuisibles. Fais péter les thunes. Toi, frère, nous vivions dans une harmonie relative avec les créatures des bois. Oui, c'est des elfes. Logique. Et j'ai encore ce bug de merde. En butant 4 wyrms et 4 lynx, on est en sécurité. Je te demandais pourquoi ils l'ont pas fait avant. Alors, nous devons reprendre le contrôle de toute l'île. Oh, un équipement. Eh ben merci. Veuillez vous présenter mon assistant Lampin Périllon. Je vais le sentir vers l'ouest. Eh ben c'est parti. Nous obtiendrons justice. Alors, premier équipement. Des gants. Ouais, encore que ça va. Et donc, de ce que j'ai compris, il y a un système pour changer l'apparence des objets, et donc, quand on équipe un truc, ça l'apprend. Si j'ai bien compris. Alors, pour voir ce que j'ai filtré. Hop, les manquants, ça dégage. Ok. Bon. Bon, alors, petite mission supplémentaire, hein, pourquoi pas, histoire de gagner de l'XP plus vite. Bon, des marchands, on va éviter, quoi que tant les mettre. Ça va quoi ? La victoire nous attend. Ah, rien. Ah oui, avant on apprenait les compétences manuellement, je crois. Maintenant ça sert plus à rien. Par contre, où est cette quête ? Ça doit être là-haut. Salut, veilleur du puits. Ce serait pas mieux de veiller sur le puits, près du puits ? Le soleil. Cliquez ici pour... Ah, ça doit être un truc tuto qui bug. Ok. Nous avions un point de vue splendide sur le puits de soleil. Ah bah là... En intérieur, ça va être compliqué. Hein. On devait apprendre à survivre. Alors... Qu'est-ce donc ? Rendez-vous au sanctuaire de Dathremar au soleil. Ne revenez pas avant d'avoir lu le bloc. Ok, on va faire du tourisme, pourquoi pas. Et il y a... quelqu'un en moto, bon. Sinon toi, qu'est-ce que t'as à dire? Et Michel Rincap, pourquoi pas. On peut pas voir les apparences? Ouais, c'était ça, contrôle clic. Ok, pourquoi pas, c'est moche, mais bon. Pour le puits de soleil. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène? Des brassards, pourquoi pas. Alors, vous... J'aimerais bien que tu me gères les tutos, ça serait cool. Contrôlez votre soif de magie. Ça tombe bien, je suis pas mage. Partez à la recherche d'un wyrm de manœuvre à utiliser le torrent arcanique. Ce truc-là, ok. Bon, vas-y. Est-ce que je peux virer d'une manière ou d'une autre les tutos déjà vus? Pas ici. Didacticiel, ok. Après, s'il évitait de se répéter, ça pourrait être utile, mais... sinon, si ça venait du tuto, je peux peut-être réactiver ça. Ok, c'est parti. À deux à l'heure. Alors, faut buter des wyrms. Qui sont là, ça tombe bien. Tiens. Goûte à la magie que je ne maîtrise pas, mais que je maîtrise quand même. Ok, il a pas l'air d'avoir trop apprécié. En tout cas, la quête est accomplie. Et il faut 6 esquilles, c'était... un truc. Et bim. Qu'est-ce que c'est que ça? Vivre assez... Un coup de grâce qui éventre la cible. Pourquoi pas. Je suis cool. Mais non, t'es pas trop loin. Alors, cliquez sur attaque pernicieuse pour générer des points de combo. Ça doit être 100. Toi, goûte. Ok. Ça marche bien. Viens là, toi. Reviens là. Donc, 1 pour générer des points, ok. Et ensuite, on les utilise. Alors, se présenter à machin. Oui. Et où ? Il y a encore un tuto buggy, merde. L'académie Falterling se trouve à l'ouest d'ici. Cet immense bâtiment flottant. Je vois pas de bâtiment flottant, mais si ça t'amuse. Et il nous filera des armes. Sympa cette épée, qui ne ressemble pas à une épée. Sachant que, ouais, pour la spécialisation hors la loi, de ce que j'ai compris, il faudra plus utiliser des épées. Après, moi j'aimerais bien faire un mix des deux. Épée dague, ça pourrait être sympa. Allez, c'est parti. Mais oui, mais oui. Alors, les esquilles, où sont les esquilles? C'était là-dessus, sur les wyrms. Où est-ce que je vais direct là-bas? Si je rendais ça une fille, quoi, des brassards, ça pourrait être sympa. Toi, ouf. Ah, bon. Un peu moins puissant. Allez, donnez-moi une esquille. Je veux des esquilles, je ne sais pas ce que c'est une esquille, mais j'en veux. Vas-y, fais ton radin. Et ben voilà, allez, filez-moi de loot. Gloire au signe d'oreille. Mais oui, c'est clair. Alors, surmonter le besoin de magie qui fait partie de la nature d'elfe de sang. Ouais, c'est clair.
contre, j'aimerais bien que tu vires ça. Je vois pas ce que je récupère. Tant pis. Nous obtiendrons justice. Mais oui. C'est normal que le brassard est pas visible. Ah si. Ok. Par contre, si je le déséquipe, est-ce qu'on voit ceci? Ben non. Ah ou ça s'obtient peut-être pas tout seul. Aucune idée. Toi, t'as intérêt à filer un truc bien. Nous ne renoncerons jamais. Mais non, c'est clair. Ouais, effectivement, à cause d'Arthas. A priori, avec les esquilles, ils vont pouvoir contrôler les bestiaux. Pourquoi pas, ça t'amuse. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Il va se servir aux esquilles, ok. Ah, voilà. Ça, je veux bien. Je vais faire profiter de cette incantation. C'est pas une incantation, c'est une cape. Nous obtiendrons justice. Et bim, bon, c'est moche. Mais pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Et sinon, c'est tout. Ça a l'air de tout. Et ben, c'est parti. Ah, mais... J'étais déjà venu là. Ah c'est ça, c'est là où il y avait le bouquin de Mickey Mouse. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Alors sinon il faut aller là-bas, là-bas et là-bas, ok. On peut s'arranger. Alors des sylvaniers, donc ça faut que j'en bute. Ils ont pas l'air trop hostiles, ça devrait pas déclencher le troupeau. Allez. Mourez les sylvaniers. Éviscérer un arbre, j'imagine que ça ne marche pas trop. Allez, ne résiste pas. Ok, parfait. Ah, avec le combo à fond. Tu te mieux. Bon, je vais sans esquiver, mais je sais bien que ça sert à rien. Alors, sinon, il y avait un truc là-dedans. Ah bah, c'est bon. Je suis hors de portée. Oui, ça, je m'en doute. Une orbe de divination elfique de Solanarian. Bon, pourquoi pas. C'est quoi ce petit son? Les elfes de sang font des petites pirouettes. Bon, pourquoi pas. Il meurt, l'arbre meurt. L'œil de tigre. C'est des caillasses, ça, je crois. Ouais. Alors, niveau artisanat, je repérerai un petit peu ce que je choisirais comme profession, mais je pense qu'on en parlera à un autre épisode, quand ce sera le moment de choisir. Et bim, level 4. Sauf qu'il n'y a pas encore de nouvelles compétences. Non, je veux pas les métiers. Level 5, ok, on pourrait ouais, se cacher comme un voleur, c'est cool. Je suis trop loin. Oui, ça je sais. Allez, meurs. Bon, le level de plus, on le sent quand même. Allez, viens mourir, toi. Ah oui, il y a une jauge d'énergie aussi. Va falloir y faire gaffe, peut-être. Ah merde, c'est un farouche. C'est pas effarouche, faut que je bute. Bon, c'est pas grave. Mais c'est bon, il était déjà mort. Je crois qu'elle prend son boulot un petit peu trop au sérieux. Alors ça, c'est un farouche, je m'en fous. Toi, meurs. Et bim. Alors, il ne manque plus qu'un parchemin de magie du fléau. Qui doit être juste ici. Bah voilà. Je suis hors de portée. Mais oui, je sais, t'inquiète. Et là, le volume 2 de leur cachette de porn. Ah mais non, faut aller là-bas. Ah oui. Faire du tourisme, c'est vrai. Île de Haut-Soleil, découverte sanctuaire de la... Ok. J'ai tout compris. Et donc, Sigi d'Atremar, l'elfe, semble-t-il battre le pouls de l'étrange puissance qui s'est emparée de l'île. Ah oui, carrément. Bon. Pourquoi pas, hein. Et c'était quoi l'intérêt de venir faire ce pèlerinage? Ah mais j'ai eu un sac. C'est intéressant, ça. Bon, un sac, 4 emplacements, on va pas y mettre grand-chose, mais c'est mieux que rien. Après, ça aussi, elle se fait de ça en bon usage. Ouais, on va buter d'autres arbres avec. Hop, et donc, je voudrais... On commence avec des épées, parce qu'on essaye les petites dagues. Ah oui, non, c'est moche. Je veux bien l'épée. Un traître à notre peuple vit au sommet de l'académie de Falanchin au sud-ouest. Oh, allez le buter. Tu m'as filé une épée. J'imagine que c'est pas pour rien. Falendran est son nom. Bon, on va s'en occuper. Gardez le cap. Alors, épée de haut soleil. Ouais, pourquoi pas. Avec deux comme ça, ça pourrait être stylé. Augmenter la taille du sac. Ça va être un truc payant avec des vraies thunes. Ah, oui, non. Authenticateur faudrait un smartphone récent, donc non. Par contre, j'aimerais bien savoir... Pourquoi? Ah, donc ça, je l'ai eu. C'est les objets de base qu'on ne débloque pas. Ok, bon, dommage, j'aurais tendance à dire, mais enfin. Pourquoi pas? Alors, où est-ce qu'il faut que je me rende? C'est plus proche d'aller récupérer ça. Allez, c'est parti. 2 heures plus tard. Je peux avoir la même armure?
Toi, j'espère que tu me files du matos intéressant. Nos ennemis seront abattus. Bon, apparemment, il a kiffé ce qui s'est passé au sanctuaire. Pourquoi pas? Des thunes. Eh ben, merci. Gardez la terre. Sinon, j'avais une autre quête à te rendre. Ouais, c'est ça. Je dois me contenter de veiller sur le puits. Mais il est pas ici, ton puits, hein. Je sais pas si tu le sais. Hein, c'est parce que c'est occupé par des bestioles. C'est tout de suite plus logique. Et voici une pièce d'armure. Bon, merci, on se sent pas. Une corde. Je parie que ça ressemblera pas à une corde. Alors. Ouais, bon. La différence est minime, on va dire. Allez, on se casse. Dégage-chute. À peine. Ça va. Ah bon, les roublards, ils sont quand même censés être un petit peu agiles. Ça compte se tuer en sautant un étage. Sinon. Ah ouais. C'est un peu loin. J'ai déjà 4 pièces d'argent. On va aller loin avec ça. Ouf. Des nouveaux mobs. Ça va changer les petits worms de merde. Bon, ils sont pas plus hostiles que ça. Est-ce que j'en bute? Ouais, il faut. Ah, mais si je... Ok, je peux pas utiliser d'épée si j'ai... Pas encore la spécialisation. Je me suis fait arnaquer. Du coup, c'est la merde. Tant pis. Ah, par contre, j'ai essayé d'activer ceci. Ça va dégager, c'est chiant. J'étais déjà proche, allez. Pas chier. Boum. Des brasseurs. En maille, bon, bah tant pis. C'est pas pour moi. Je suis un... Mais non, on fait pas ta gourde. Allez, meurs. Et Kanye, qu'est-ce que ça? Vous avez trouvé une bizarre esquille de mana cristallisée sur le cadavre. Ok, j'imagine qu'on l'a filé à quelqu'un. Bon voilà, bon bah. Vas-y, hein, on va s'en occuper. Mais pas tout de suite. Vu le temps qu'il faut pour rentrer. Boum. Hey, plus que quelques fantômes. Pistage. Ah tiens. On peut pister des trucs? Non. C'est juste pour filtrer la mini-carte, ok Joseph. Salut les fantômes. Vous voulez mourir? Une deuxième fois. Boum, ça, c'est fait. Oh, gilet en cuir usé. La série. Bouclier Joseph. Gilet en cuir, ça ressemble à quoi? Mais. Encore que. On trouve un pantalon qui va avec, pourquoi pas? Je dois m'appeler. J'ai plus besoin d'en buter. Tant pis. Est-ce que, si c'est magique, ça marcherait pas pour dissiper? Non. C'est vraiment pour les lanceurs de sort, ok. Sinon, toi, tu vas mourir. Une fois que je serai arrivé là-bas. Ouch, tu veux tomber et mourir de dégâts de chute, ça me va. Et boum. Level 5, tiens. Qui me permet donc de me cracher. Oui, bon. Pas obligé de ramper, hein. Sinon. Fais-le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 -